without you. Et yo tout le monde, on se retrouve tous pour l'épisode 2 de Zoocraft aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'ai beaucoup bossé. Alors, Kemara, comme vous voyez là-bas, j'ai fait ma maison. Bon, la maison, c'est pas. C'est rien, c'est vraiment. C'est juste l'histoire de. Juste l'histoire d'avoir fait la maison. Il y a un villageois, Heroes, qui est apparu, donc qui échange du diamant contre des. Juste facile de cheater, donc vous rappelez qu'on avait fermé le diamant. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est que lors de cet épisode, on fera l'enclos. Sauf que du coup, comme j'avais du temps de jeu, je me suis dit pourquoi pas faire l'enclos. Et du coup, en gros, l'enclos est pas fini, donc on finira l'enclos. J'ai juste fait l'extérieur. Voilà à peu près à quoi ressembleront les enclos. Hein. J'ai juste commencé à faire l'extérieur. Donc, bien évidemment, vous avez vu que j'ai repris le slime block. Donc voilà à quoi ressemble l'enclos. Donc l'enclos est assez grand. Ici, je pense qu'on essaiera. J'ai dit on essaiera. Enfin, j'essaierai de faire une sorte de cascade. Voilà, c'est. Ici, j'ai commencé à faire un début de grotte. Et puis voilà, donc voilà à quoi ressembleront les enclos. Moi, je vous dis que ça serait beaucoup plus grand que. Beaucoup plus grand que ceux qu'on avait fait là, la saison 1 et 2. Hein. Ça soit bien évidemment, moi hors caméra, je ferai un accès, je pense, par là, là, pour que l'accès soit vers le haut. Faire un accès pour les gens comme moi qui vont. Qui sont un accès au personnel, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà à quoi ressemble l'enclos, voilà. Et je pense que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des pancartes. Plus. Nice. Et aujourd'hui, ce qu'on va attraper, je pense. Qui va être entre parenthèses la mascotte. Déjà, interdit de fumer. Ce qui est entre parenthèses, pas la mascotte, mais je pense qu'un des premiers enclos qu'on va faire, c'est l'ours. On va faire l'ours, mesdames et messieurs. Et ouais, pourquoi l'ours? Bah, parce que déjà, je pensais commencer par un enclos d'ours. Voilà, ça ferait. Je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est avec la belle vue panoramique qu'on aura. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est comme vous l'avez vu, les chats sont revenus. Enfin, je me suis enquiquiné à ramener les chats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre tous les chats pour aller rechercher justement ces... Pour aller rechercher justement ces petits ours, voilà. Donc bien évidemment, on nommera tous les animaux qu'on capturera, voilà, en fonction de ce que c'est. Ah oui, j'ai attrapé deux tortues et j'ai attrapé, je sais pas si c'est des dragons komodo ou des lézards, je sais pas. Et voilà. Donc après, est-ce que tout le monde me suit? Ça a l'air d'être bon. Ah oui, il faut qu'on aille chercher les... Faut qu'on aille chercher les Lucky Blocks. Donc, à l'heure actuelle où je tourne l'épisode, on est à 6 likes. Donc, 6 Lucky Blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 6 Lucky Blocks. Alors, pourquoi vous vous demandez pourquoi j'ai le barrière invisible? C'est pour mettre quand. En fait, de base, je comptais faire de 1 de hauteur. Mais je me suis dit, en fait, bon, on va garder ça comme ça. On va regarder ça comme ça et en fait je mettrai au-dessus là des barrières invisibles, voilà, pour pas que ils s'envolent, ou même si on décide de mettre des oiseaux pour mettre des barrières invisibles tout autour pour que les oiseaux s'envolent pas. Donc vous avez vu qu'on a des ailes. Les ailes à quoi elles servent? Bien évidemment c'est à voler. Donc je crois que si j'appuie sur R, ouais voilà. On regarde des fit. Et là je m'envole, j'ai des ailes. Donc bien évidemment je me le suis give, hein, parce que sinon si j'attendais de. Et si on regardait, on lâche les ailes, ils nous ralentissent, voilà, c'est bien, parce que je crois que si on tombe, on prend pas de dégâts. Mais voilà, c'est ça remplace les traces, c'est beaucoup plus sympa. Et je me suis dit, ouais, parce que s'il faut farmer, faut machin, un truc. Là, je me suis dit, on va me les give, parce que bien évidemment, l'enclos, je l'ai fait en créatif. Hein. Donc voilà, donc les ours, je sais pas par où ils sont, parce que c'est des ours d'une certaine catégorie. Je pense qu'ils vont en montagne, parce que regardez, il y a beaucoup d'animaux. En haut peut-être, je crois que j'avais vu des ours en plus, je crois qu'on est arrivé par là. Oh voilà, il y a des ours ici, c'était sûr. Après, je regarde s'il n'y a pas quoi, il y a ici, il y a des cochons. Là-bas, il y a un gâteau. Ouais, en fait, je savais à peu près où ils étaient. Parce que j'avais déjà recherché, c'est pour ça qu'en fait, j'ai dit qu'il y avait des ours, c'était pour une première capture. Je me suis dit, il faut qu'on aille quand même chercher des animaux qu'on puisse avoir facilement. On en a combien là? Bon, on va tous les prendre, je pense. Attendez, là, on en a 4 déjà, on va chercher ces 4 là. Oh, on en a plein. Il y en a qui se sont ramenés entre temps. Ça se passe comment? On va éviter de.
de les tuer. Donc après, on ira visiter la maison. Comme vous voyez, l'épée est enchantée. Hein. L'épée est tranchant 3, recul 2 et efficacité 3. C'est normal, j'ai beaucoup de temps de jeu, je vous le dis. J'ai beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Par contre, la maison, oui, je l'ai fait en créatif, mais ce qu'il y a à l'intérieur, tout en survie. Donc, genre, j'ai posé la table d'enchante. J'ai été farfouiller un peu les endroits. J'ai chopé des Lucky Blocks. Donc, avec ça, j'ai eu des bibliothèques. Donc, ça, c'est très sympathique. Alors, pour ceux qui reconnaissent, c'est les verres de. Ils ont tous pris des dégâts. C'est les vers de. Oh, pourquoi tu l'attaques qui t'a rien fait? C'est les vers de. Ah, ils... ah si, bah, ils sont attaqués quand même. C'est les vers, voilà, de Jurassic Craft. Parce qu'il y a le mode dinosaure. Mince, j'ai une selle qui a pas. Donc, voilà, par contre, la seule question, c'est moi, comment je fais pour monter? Hop, donc j'ai pas essayé avec des animaux à l'intérieur, je sais pas ce que ça donne, pour l'instant ça a l'air d'aller. Bon après l'enclos est assez gros donc ça va. Ça pas dire... Bah tiens, sachant qu'on va être la nuit, on va aller directement voir la baraque. Donc voilà, donc j'ai essayé d'aménager un peu quand même, de la faire... Parce qu'en gros c'est un truc qui me... J'ai fait spawn une base en fait. Donc c'est pour ça que la base est en terre. Et après j'ai moi c'est moi qui ai tout arrangé. Donc on va voir quoi ressemble. Ici il y a le lit. Ici il y a de quoi manger et tout. Plein de coffres. Ici au premier étage du coup il y a la table d'enchant où on mettra d'autres livres. Voilà pour... Tiens, toi, reste là. Ouais, on va te laisser là. Ouais. Là où on mettra les... On rajoutera des tables... Enfin pas des tables mais des... Comment ça s'appelle? Les bibliothèques ici, voilà, c'est différents coffres avec les différents items. Après, voilà, pas quelque chose, voilà, d'énorme. C'est juste pour l'instant les items qu'on avait eu juste voilà dans les Lucky Blocks. À part le bois que j'ai un peu farmé, voilà, j'ai un peu farmé 2-3 ressources supplémentaires. Voilà, sinon, bah, rien de spécial. On va aller dormir. Est-ce qu'il y en a qui va dormir avec moi? Ah, pas tous, bon, pas grave. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Ouais, là, des inconvénients de ça. Voilà. C'est pour ça que je kiffe ce mode. Hop, vous avez vu, on y est déjà. Hop, on chope l'ours. Donc là, il y en avait 4, 5, 6. C'est ça, 6. 7, du coup, non? 6, c'est ça, hein? Ça fait 6, hein, enfin 7 normalement, 6 ou 7, ouais, s'ils étaient 4, ouais, ça fait 7. 7 ours, ouais, bah, pour la taille de l'enclos, je pense que c'est suffisant. Après, bien évidemment, voilà, si on en retrouve, on les recapturera pas, parce qu'on va pas, voilà, on va pas faire que ça, les capturer non plus. Hein. Pour l'instant, ça va. Alors, j'essaie de voir, ouais, voilà, où est la. Où est l'eau, voilà. Pour qu'il tombe avec. Et puis voilà, hop, 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 hop. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. On va juste refoutre un coup de jump pour réussir à revenir. Et voilà, donc ça fait ça. Pour l'instant, sachant que voilà, on n'a pas fini de décorer. Je commence tout doucement à savoir utiliser World Edit. Il y a encore des enfin des lézards là. Je commence doucement à essayer d'apprendre World Edit. Mais voilà. C'était juste la petite nouvelle, parce que je vous avais dit que j'avais World Edit, mais que je savais pas trop utiliser. Voilà, donc pour l'instant, voilà quoi ça donne. Pour l'instant, sachant que l'enclos est pas terminé. Voilà, on va rajouter des petites collines. Vous voyez que là, il y a déjà une sorte de pont, voilà. Mais voilà, l'enclos est vraiment immense. Et je vais essayer de faire... Ah mince, j'ai oublié une laisse. J'ai essayé franchement de faire ça pour tous les animaux, hein, pas que pour les ours, pas que pour les pandas, pas que pour voilà les. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire ça pour tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement. Game mode 1. On va directement se mettre en game mode, voilà. On va commencer. Ah non, d'abord, on va ouvrir les Lucky Blocks.
Donc T slash game mode 0. On va ouvrir les lucky blocks, excusez-moi. Par contre, on va les ouvrir loin d'ici parce que. En fait, on va aller les ouvrir dans la montagne, je pense. Par contre, ouais, les chats, faut pas que vous me suiviez parce que voilà. On a fait balader un peu les chats. Mais du coup, j'ai une armée de chats. Je crois qu'il y en a qui sont morts entre temps, entre les différents voyages que j'ai fait et tout. D'ailleurs, faudra qu'on trouve des noms pour les chats. Bien évidemment, moi, je vais nommer 2-3 ours. Après, ce sera vous dans les commentaires qui me donneront des idées de noms. Tiens, lapin. Bon, ouais, on va l'ouvrir là parce que comme ça, au moins. Bah tiens, ici, voilà, là où j'avais déjà essayé les lucky blocks. C'est parti. Ok, des selles. 100%, c'est pas non plus énorme. Une tête de... Ok. Mince. Oh shit, bro. Alors, chute amortie, aura de feu, châtiment, protection contre le feu, chute amortie, solidité 2. Toucher de soi, ah ça, toucher de soi, c'est pas mal. On a pas mal de trucs, écoutez, ça fait plaisir. Moi, il dit, maman, on mettra ça dans le... Ah, d'ailleurs, faudra peut-être qu'on fasse une enclume un jour. On continue. Ça, c'est vraiment pour la déco, pour le compost. Je sais pas s'il y a du compost. Je sais pas ce que ça fait, mais j'ai eu peur. Et le dernier... Oh bah nice. On a eu... Oh la vache, on a eu beaucoup de trucs. Donc alors c'est quoi ça? Ah ouais, je crois qu'il nous donne des... C'est pas le truc qui nous donne des items là, trop cheat là? Je crois bien que si hein. Ah moi, enfin si j'avais déjà fait des tests de Lucky Block. Et il y a un moment, ouais, j'avais eu des... Ouais, j'avais eu des lingots, enfin, pas des lingots, mais des trucs tarpin cool. Bon, c'est déjà pas mal, mais... Ouais, bah, je pense que ça doit être ça doit varier, je pense, hein. Je pense que ça doit varier, hein. Bon, après, c'est des patates, on s'en manque un peu. Bah, voilà, résultat, j'étais pas trop chaud, voilà, pour les Lucky Block. Et en fait, c'est bon, moi... Game mode 1, voilà, on va se barrer directement à la maison et pouvoir mettre tout ça dans des coffres. Du coup, c'est bien, dans tous les cas, si l'épisode ne se règle pas, bien évidemment, j'enlèverai tout ce que j'ai eu dans les Lucky Blocks. Hein. Même si, voilà, j'y perds rien, enfin, c'est pas que j'y perds rien, mais ça serait dommage d'avoir gâché tout ça. Par contre, ouais, on va un peu séparer les choses, on a plein de fours, autant d'utiliser à leur plein potentiel, hein. Les fleurs, je pense qu'on va en avoir, parce que je pense que ça doit être un peu le cadeau facile, je pense. Après, je sais pas, mais je pense que c'est un peu le cadeau facile, ça. Est-ce qu'on a des blocs? On n'a pas de blocs. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas un coffre pour l'enchante. Bah, on va mettre tout ça là-dedans, écoutez. Hein. On a 13 diamants sans avoir été une seule fois dans les mines. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va en avoir beaucoup, des diamants, des trucs comme ça. Les fleurs, il y a carrément un coffre pour les fleurs, mais ça va être tout ce qui est ressources, etc. Pareil, les têtes, on en a plein. Sans trop savoir à quoi ça va nous servir. Les selles, bang. Et puis voilà, déjà, je sais pas combien de livres, des armures, des trucs, des machins, des bidules. Alors qu'on n'a rien commencé à faire et on n'a pas beaucoup de bois. Voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est la vie, c'est... Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est déjà... Je sais pas. Je vous avoue, je sais pas comment tourner ça, parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une cascade. Mais je sais pas comment tourner ça. Déjà, ce qu'on va faire, déjà, c'est on va... Essayer, je sais pas comment dire, mais essayer de s'occuper de la partie... Ouais, de la partie là, un peu, voilà, on va essayer de... Pas que ça soit singulier, genre, que vous voyez qu'il y ait des sortes de rochers, de... Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, qu'il y ait des sortes de rochers, qu'il n'y ait pas que des... Qu'il y ait pas... Que ce soit pas toujours pareil.
Après, bien évidemment, je pense que je peaufinerai moi en hors caméra. Après, je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Ouais, de la pierre taillée aussi, voilà, au mieux que ça soit toujours qu'en pierre là. Genre, mettre 2-3 coups de pierre taillée là. Et d'andésite pour jouer, faire un peu. Faire jouer des couleurs. Ouais, genre un truc comme ça là. Bref, c'est vrai que je pourrais faire rejoindre. Ouais, parce qu'en gros, on perd cet espace-là, mais c'est pas non plus trop grave. Genre, ça, c'est pas la fin du monde parce que. Voilà, c'est. Franchement, faut pas que ça gâche la vue non plus, mais voilà, c'est pas. C'est pas gravissime. Après, voilà, là, ouais, ici, là, on peut faire jouer, genre là, un coup, là, voilà. Là, pareil, essayer de faire un autre pilier, genre un truc comme ça, là. Funk back. Thank you.
Là, je vais vous laisser, je vais aller peaufiner un peu mon idée, un peu plus mon idée, et on se retrouve après. Allez, à de suite. Et du coup, on se retrouve, voilà, après une demi-heure d'épisode, voilà, j'en suis désolé, je pense que j'essaierai de faire de trop d'accélération sur certains moments. Mais voilà, donc voilà quoi ressemble l'enclos de haut. Voilà, j'ai essayé de, voilà, de mettre un maximum de choses décoratives, voilà, parce que sur un grand enclos, bah, c'est compliqué, voilà, d'aménager tout simplement. Donc voilà quoi ça ressemble. Voilà, vu d'en haut. Voilà quoi ça ressemble vu d'en haut. Voilà, je suis assez fier. Franchement, quoi, en premier. Enfin, ouais, pour un premier enclos, voilà, assez grand quand même, parce que là, c'est, je pense que celui-là, c'est, il fait à peu près, je pense, un peu plus grand que celui des pandas, mais il est beaucoup mieux garni, il est beaucoup mieux, voilà, beaucoup mieux occupé et beaucoup mieux fait, voilà. Ouais, donc je suis content. Donc bien évidemment, on va passer au nom. Donc, pour le nom déjà, bah, un ours. On va l'appeler... Oui. Alors s'il y a des fautes d'orthographe, c'est normal. Hein. C'est normal parce qu'un nom ne s'écrit pas toujours correctement. Donc, nous avons Winnie. Alors nous avons. Alors je suis obligé. Franchement voilà, il y a deux noms que je suis obligé de faire. C'est. Voilà, je suis obligé. Il y a vraiment Winnie Freddy, c'est vraiment le. Freddy de Five Nights at Freddy. Hein. Winnie Freddy, franchement, je suis obligé, voilà, c'est des noms, voilà. C'est des noms d'ours tout simplement. Après, comment on peut les appeler Comment on pourrait les appeler des noms d'ours? Bah, brun tout simplement. On va l'appeler comme ça, Brain. Et alors, non. Bear. Je sais pas comment on va l'appeler. Encore désolé pour ce petit imprévu. Donc voilà, donc on va appeler Bird. Alors pourquoi Bird? J'en ai aucune idée. Ou je sais pas, non, un nom d'ours. Un nom d'ours, s'il vous plaît. Si on va en appeler un Bird. Je sais pas pourquoi j'ai envie de donner. Ça veut rien dire. Je pense que ça veut rien dire. Bird, après, il y a un ours en haut. Il y a un ours là. On va l'appeler. Après Winnie, Freddy, Bird, comment on pourrait l'appeler? Jacques, bon, on va pouvoir. Jacques, alors pourquoi Jacques, je sais pas. Ouais, j'ai envie d'appeler un autre Jacques. Nous avons Bird, nous avons Freddy, nous avons Winnie. Mais évidemment, hors caméra, je ferai la zone. La zone. Après. Jacques, on pourrait l'appeler quoi? Brun, tout simplement, je pense. Hein. Après, même si c'est mal orthographié, Brun. Donc, c'est là, je sais pas si c'est bien orthographié. Je m'en tape, comme je vous l'ai dit. Le but, voilà, c'est de les appeler, c'est de les nommer. Donc, après, voilà. Après, comment on pourrait l'appeler? Il n'y a pas des sortes de noms. Alors, comment ils l'ont appelé en nom? Il y a des noms. Je sais pas s'il y a des noms. Enfin, s'ils ont donné un nom spécifique. Ou s'ils l'ont juste appelé. Ou s'ils l'ont juste après. Ah, là peut-être. Grizzly Bear. Non. Il n'y a pas des noms. Si on l'appelait Obélix. Obélix. Pourquoi Obélix? Parce qu'il me fait penser un peu à Obélix. C'est des ours. Et ma... Donc Obélix, là il y a Brun. Et après. Ok, qui on pourrait appeler qui? Je crois qu'il m'en manquait un ou deux, hein. Il n'y a pas des noms d'ours. Un nom d'humain. Un nom d'humain. Essayons de trouver un nom d'humain. Après, est-ce qu'on a déjà mis Bernard? Parce qu'il m'en manquait un. Ouais, il m'en manque qu'un qui a pas de nom. Bren, ouais, je crois qu'il y en a qu'un qui a pas de nom. Freddy, là, c'est doit être Winnie.
Ouais. Ah, il y a qui là-bas? Ah non, c'est Jacques. Ah non, on n'a pas mis Bernard. Bah, on va mettre un. On va mettre un. Faut qu'il y ait un Bernard. Je peux pas. Faut qu'il y a forcément. Faut qu'il y ait un Bernard. C'est un truc de fou. Et voilà. Bernard. Voilà. Pourquoi Bernard? Parce que je kiffe ce nom. Et voilà. Donc, nous avons Brun. Bernard. Obélix. Après, du coup, je crois qu'on a Winnie de ce côté-là. Ouais, Winnie. Freddy. Donc, Freddy et Winnie, c'était deux noms d'ours qui étaient obligatoires. Hein. Et nous avons Bird et Jacques. Voilà pour les noms d'animaux. Voilà, donc. Voilà à quoi ressemble l'enclos. Un peu vu de. Un peu vu d'en haut. Voyons voir. On regarde comment est l'enclos vu de l'intérieur. Donc, ouais, on est pratiquement en contact avec les animaux, hein, c'est les vitres sont vraiment bien pour ça. Après voilà, donc là si vous continuez, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse vue. Hein, c'est vraiment l'enclos est énorme, hein, l'enclos est très grand. Mais je suis content, je suis heureux de ce que j'ai fait. Je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai galéré à le faire. Bien évidemment, ici il y a des voilà des barrières invisibles. Je crois que je me le suis piqué. Il y a des barrières invisibles, voilà. Mais voilà quand vous enlevez de votre main, ça se voit pas. Donc ça, je suis plutôt content. Et puis voilà, donc l'enclos est très sympathique. Dans tous les cas, j'essaierai de faire une version accélérée des choses, bien évidemment, avec un peu de musique. Et voilà, parce que s'il n'y a pas des moments où je dis des trucs intéressants. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je suis très content de ce qu'on a fait. Même si voilà, bon, à niveau déco, voilà, pour les ours, c'était assez facile parce que voilà, vous mettiez deux, trois collines et des arbres, c'était facile. Après, je pense que pour d'autres animaux, ça va être un peu plus compliqué. Mais bien évidemment, on verra tout ça. Donc moi, je vais vous laisser. Voilà, donc je tourne cet épisode à l'avance. Donc je sais pas combien de lucky on aura eu si j'aurais attendu un peu. Mais voilà, donc cet épisode sortira le jeudi, comme d'habitude. Je pense tourner à la suite. En fait, je pense que je vais tourner beaucoup d'épisodes à la suite. Il y aura beaucoup d'épisodes tournés à la suite pour qu'en fait, bah moi j'ai le temps de faire ces bulles-là. Parce que voilà, ces bulles-là, ça m'a pris 2 heures à le faire. Parce que faut creuser, même s'il y a World Edit, faut le creuser, faut avoir l'imagination en fait de faire tout ce qui est structure, tout ce qui est, vous voyez, les zigzags et tout pour que ça donne à peu près quelque chose de correct. Faut après faire tout ce qui est bois et ça, comme je vous ai dit, c'est je connais pas bien World Edit. Après, faut terraformer tout le truc pour préparer. Après, faut faire des recherches pour, enfin des recherches, mais faut que j'essaie moi de mon côté quelques idées de décor, et puis voilà, on arrive à ça, voilà, en 4-5 heures de travail, c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, je suis content. Mais voilà. Après, voilà, je vous avais dit que dans la saison 3, il y a déjà beaucoup de modes, comme vous voyez, il y a plein de modes, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans la saison 3, moi, je l'attendais beaucoup, pourquoi? Parce que, bah déjà, j'ai un PC déjà pour faire les survies, voilà, c'est ça, j'ai un PC. Ouais, les doudous. J'ai un PC pour faire les survies, et grâce à ça, bah, je pense installer des mods et pouvoir faire des choses assez sympathiques. Et du coup, pouvoir vous proposer des vidéos de qualité et sans trop de casse-tête et pouvoir faire des enclos énormes et pas des. Même si les anciens enclos étaient bien, mais étaient basiques, c'était un carré de 10 par 10. C'était même pas du 10 par 10, c'était de 5 par 5 ou du 7 par 7 ou une carrière comme ça. Et voilà, on mettait les animaux, on se cassait pas trop sur le décor, mais puis voilà. Et j'ai regardé la vidéo il y a pas longtemps, et quand je me suis dit, oh, déjà rien que là, rien que là, déjà il y a ça. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si je vais trop vite entre la maison et l'enclos, parce qu'on est qu'au deuxième épisode, faut pas oublier. Dites-moi si je vais trop vite, et si je vais trop vite, bah voilà, j'irai moins vite. En tout cas, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette vidéo et de cet épisode 2. Au prochain épisode, je pense qu'on ira faire de la capture et peut-être l'enclos. Mais je sais pas, je pense que je peux pas. En tout cas, dans tous les cas, je pense que j'aurai peut-être un enclos d'avance. Enfin, une crevasse d'avance. Dans ce sens, ça sera toujours du sol, hein. Sinon, je repasserai en sable, moi, de mon côté. Mais ça sera toujours du sol à peu près de la même large, enfin, de la même hauteur et largeur. Je pense. Mais voilà, vers là, je pense, je sais pas, je me débrouillerai. Et moi, hors caméra, je pense que je ferai l'endroit là où il y aura les. Il y aura, comment ça s'appelle? Les serres, enfin, les. Les personnes, parce que regardez ici, il y a un trou là, donc je pense les faire venir par là. En tout cas, je me débrouillerai. Voilà,
Et puis voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à dimanche, enfin à lundi pour un nouvel épisode, ou dimanche pour un nouvel épisode de la Zookraft saison 3. Voilà, j'espère que le retour va vous plaire. C'était Force Attack, allez, bye tout le monde.